Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Theme Hospital. Alors j'ai eu pas mal de plantages là depuis quelques temps. Donc j'avoue que je suis un peu inquiet. Peut-être que c'est sur les missions où vraiment il commence à y avoir beaucoup de choses que ça déconne un peu, il faut bien l'avouer. Alors là, vite fait, je vais faire quelques opérations chirurgicales. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il manque un chirurgien là. Donc ça, c'est l'enseignant. Ça, c'est le deuxième. Et pour l'instant, j'en ai peut-être que deux. J'en ai bel et bien que deux, malheureusement. Bon. Je vais faire quelques opérations avant. Est-ce qu'il n'y en a pas qui seraient moins bien barrés que d'autres? Ouais, celui-là. Et celui-là. Ces deux-là sont prioritaires. Alors là, j'ai des problèmes de banc, je crois. Ah, mon hôpital a bien plu. Je pensais pas. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui était en train de mourir là. J'espère qu'il est rendu à la fin de son à la fin de son traitement. Je pense que oui, il va arriver de justesse, mais il va y arriver. Alors, toujours pas de chirurgien là, non. En fait, c'est très très dur de trouver des chirurgiens. Je croyais l'avoir sauvé, lui. Pourquoi il est là? Bon, ça, je vais le faire. Il est en train de mourir, lui. Je croyais l'avoir sauvé. Ouais, il faut qu'il arrive là à temps. Croisons les doigts. Bon, là, l'infection, là, l'urgence, je sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, c'est lui. Putain, j'ai trop de gens à opérer là, ça le fait pas. Il en reste deux. Oh, il y en a un qui est en train de mourir. Ok, j'ai eu une amende. C'est lui qui est en train de mourir? Je sais plus. Je dirais que oui, mais. Alors, ce que je vais faire, je crois que je vais rajouter quelques radiateurs dans les couloirs principalement. J'avais des couloirs où il n'y avait vraiment pas beaucoup de radiateurs. Ici, peut-être. Ici. Lui. Ah, si, c'est là, pardon. Alors, je vais voir mes chirurgiens. Est-ce qu'ils en ont fini avec leur. Putain, je crois qu'ils ont fini. Ah non, il y en a encore un. Je suis un peu impatient d'avoir fini les opérations là. Ah non, encore une épidémie. Ok. J'en ai marre là, faut que je fasse quelque chose. Faut que j'enlève le chirurgien, c'est pas lui. C'est lui. Que je le remette à la formation. Pourquoi ça marche pas? Ah, peut-être parce qu'il est derrière le rideau. Ça doit être ça. Voilà, je pense qu'on peut pas les enlever quand ils sont derrière le rideau. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était bouger ce. Je crois que j'ai un radiateur, là, j'ai vu. Avant de lancer la partie, je regardais ça. Je vais tout le mettre là, voilà. Alors, ensuite, je pense que j'ai pas assez de médecins, ou alors. Tiens, celui-là est pas mal. De toute façon, comme je fais beaucoup d'argent, je peux me permettre d'avoir plus d'employés. Ok. Alors, c'est bien, celui qui était infesté, il va sortir de l'hôpital, il est soigné.
Ouais, je vais avoir des problèmes de chirurgie, hein, pour l'instant. Ah merde, il a pas soigné. Ah merde, j'en ai une autre qui est là, je l'avais pas vue. Lui, ça lui dit pas de soigner, on dirait. Bon. Et merde. Ah putain, j'aime pas ça. Ça casse tout. Ça casse tout et c'est incontrôlable. Je vais envoyer tout à réparer. Non. Ah, je vais pas y arriver. Ça, c'était le premier choc, mais il y en a toujours un deuxième qui fait vraiment mal. Le premier, c'est rien. Donc, on va envoyer tout à réparer. Normalement, on a quelques minutes avant que le vrai tremblement de terre se produise. Ok, là c'est bon. Alors, je vais prendre plus de personnel. Vite fait, je vais vérifier la formation des chirurgiens où on en est. Ça n'avance pas, c'est pas lui. Donc lui, il a fini. % sérieux. Et lui, ah lui par contre, il a commencé depuis moins longtemps, c'est pour ça. Oh merde. Ultra scanner, c'est où l'ultra scanner? C'est quoi ça déjà? Est-ce que c'est que ça? C'est ça? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Tiens, celui-là, il était prêt d'exploser. Je vais devoir m'endetter. Ça aussi, c'est prêt d'exploser. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi, putain. Tout est au bord de l'implosion, là. Je suis obligé de tout remplacer comme ça à l'arrache. Je sais pas si ça a marché, là. Si, ça a marché. Ça, c'est bon. Celui-là est un peu moins fragile, en théorie. Putain, je vais... Ah, ça a l'air d'être fini. Putain, l'ultra scanner, je viens de le changer. Non, c'est bon, il est comme neuf. C'est un vieux message, en fait. Ah, c'est ça qui était au bord de l'explosion aussi. Bon, bah, ça m'a coûté une petite fortune, mais... L'essentiel étant que j'ai rien explosé pour l'instant. Celui-là, c'était limite. Celui-là, c'est bon. Ouais, je répare, hein, je m'en fous. Ok. Peut-être la salle d'opération, j'ai pas regardé. C'est bon. Alors, je repasse en vitesse normale. Le plus dur est passé. Ouais, c'était un gros hein, tremblement de terre. Hein. Ça a un peu tout détruit. Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. À part que l'hôpital est dégueulasse, mais ça. Quand je vois le nombre d'employés, il n'y en a pas un seul qui nettoie. Ok. Ça tourne hein, dans tous les sens, partout ça travaille. Lui, j'ai l'impression que eux, ils attendent pour le scanner, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas pour le scanner qu'ils attendent. Alors, ils attendent pourquoi? Le généraliste peut-être? Ah, c'est ça. Je vais rajouter des bancs parce qu'ils attendent pas à côté et du coup j'arrive pas à savoir pour qui pour où ils attendent.
Alors, il me dit de réparer ma machine. Alors, pff, merde. Je vais l'envoyer à réparer celle-là. Celle-là aussi. Ah, lui, il va faire son traitement. Merde, lui, je pense qu'il est trop fatigué. Je vais prendre un. Ah, putain! Je peux plus avoir de docteur. Ah, j'ai été compensé 6 000 dollars. Ça tombe bien parce que vu tout ce que j'ai emprunté pour réparer le matos, j'ai quelques dettes. Alors, vite fait, un petit coup d'œil sur la formation. Alors, lui, il est à 86. Et à lui, ça avance, mais doucement. Fracture clinique, c'est là. Donc là, j'ai peut-être pas assez de généralistes. C'est quand même dommage qu'il y ait toujours la queue. Y a une sacrée queue. Et l'X-ray aussi, peut-être. Ah ouais, là aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais la réduire à 5. Parce que je pense que l'autre est beaucoup moins fréquenté. La remarque, il commence à être fréquenté pas mal aussi. Hein. Je crois qu'il y a un moment, il va falloir que j'en fasse tout simplement 3. Ça commence à. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 2 bandes de plus. Parce qu'en fait, les deux sont très fréquentés. Donc c'est un peu compliqué. Ah, un psy. Psy, je prends parce qu'on a toujours besoin. On a toujours besoin d'un psy. 25 000, les dettes diminuent. Ça va être long d'accumuler 400 000 de dollars. Là, c'est dégueulasse. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils soient très nombreux. On va essayer de résoudre ça. Ok. Alors, il y en a un là. Un là. À mon avis, vu le tarif, il y en a 3 ou 4, pas plus. Je vais essayer de le mettre en prioritaire. Il est déjà en première ligne. Là, pareil, je vais essayer de la mettre. Elle est déjà en première ligne. Par contre, je sais pas où elle est. Elle est là. Je sais pas où elle est en fait. Ah, elle est là. Parce que là, je vois qu'il y en a un qui va bientôt crever, donc je vais le mettre devant. C'est dommage, c'est un soin tout simple, ça, donc ce serait dommage qu'il y passe. J'espère qu'après il va aller au traitement. Ah merde. Ils attendent pour eux. Oh, je sens que. Ça, c'est la chirurgie. Je vais faire une petite session d'opération. Il n'y en a pas qui sont prioritaires là? Si. C'est parti. Je suis obligé de faire comme ça pour l'instant. Ouais, je parie qu'il va partir l'autre. Ah putain. Il est crevé. Alors qu'il travaille pas depuis je sais pas combien de temps. Bon là, je vais avoir des morts. Bon, du coup, je peux le remettre à la formation. Ah, voilà. My God. Enfin. Là, je vais attendre le retour des élèves. Tant que j'ai pas d'élèves, il n'y a pas d'urgence. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, il y a plus grand monde, c'est bizarre. À mon avis, ils sont tous, je sais pas, aux toilettes ou un truc comme ça. Là, faut que je fasse plus de bancs pour la chirurgie. Alors voilà, c'est là qu'on va voir.
Ah, je pense qu'elle va y passer. Ça me paraît difficile de la sauver. Surtout qu'elle est assise vachement loin. Allez, cours, Forest. Ah, peut-être que ça va être bon. À partir du moment où elle est entrée, je pense que c'est bon. Je crois que j'ai vu personne mourir si près de la salle d'opération. Je pense que c'est bon en fait. Alors du coup, maintenant il y a des chirurgiens qui apparaissent dans la liste. Alors il faudra que je surveille ça de près. Ce serait la bonne opération. Ok, j'ai remboursé mes dettes. Et qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai pas trouvé, elle est près de mourir ou je viens de la soigner peut-être, oui. Pardon. Elle avait toujours la tête de mort au-dessus d'elle. Ah, j'ai été récompensé de 12 000 dollars pour avoir été accusé à tort. Et merde. Je demande ce qu'il lui faut, elle. Personne n'est prêt de mourir là. Elle est où celle qui était prête de mourir là? Elle n'est pas là. Du coup, je l'ai un peu perdu de vue, j'avoue. Il y en a tellement qui sont prêts de mourir là, ça m'inquiète. Quatre. J'arrive pas à faire diminuer cette file d'attente. Je crois que ça va être ma dernière opération pour l'instant. Je vais repartir en formation. Normalement, j'ai un autre chirurgien maintenant puisque j'en ai embauché un. Donc normalement, je devrais pouvoir en trouver un autre chirurgien. Bon, lui, il est en salle d'opération. Il est là. Bon, il va faire sa petite opération vite fait là. Et j'ai trouvé quelqu'un pour le remplacer tout de suite. Les docteurs qui n'ont rien à faire, ça doit pas traîner, ça doit pas. Sérieux. J'ai qu'une personne qui attend là. Ah, c'est celui qui va mourir, donc il est là, c'est lui là. En tout cas, l'argent coule à flot. Ah, début de l'année. Je crois que j'ai tué des gens, donc j'aurai pas le super bonus. Par contre, j'ai pas mal de récompenses. Ouais, 8 000, 10 000. 11 000, 11 000 quand même de récompense. J'espère qu'elle va aller au traitement direct. J'ai l'impression. Putain, là je suis en train de. J'ai trois personnes à traiter. C'est une maladie fréquente, hein, les radiations là. Alors je trouve que dans cette mission, on n'a pas beaucoup d'urgence, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pas. J'en ai fait combien? Trois peut-être depuis le début? Ah, c'est bon, je vais la sauver au dernier moment. Ah, tout le monde demande des augmentations, mais bon, c'est pas trop grave. Ce qui compte, c'est que l'hôpital tourne. Elle attend pour quoi, elle? Ah merde, elle va y passer par contre. Sauf si c'est le diagnostic final. J'ai pas l'impression. Non. Je
Ah putain, mais c'est qui tous ces gens qui attendent là? Merde. Je suis sûr qu'ils attendent pour là. Ouais. C'est sûr que ça peut pas marcher si. Il faut toujours qu'il y ait du monde ici. Je vais embaucher plus de docteurs. Hein. Ah, une mort. Et merde. 17e mort. Hein. Ça fait beaucoup, mais on est encore sous la limite. Putain, c'est pareil, là, ça manque de docteurs. Hein. Crois que ça mériterait d'en mettre deux aussi. Alors, je vais agrandir. Je peux agrandir. Non, mais je peux en mettre un autre ici. J'ai peut-être pas la place, remarque. Je vais essayer. Plein de machines. Si, je vais la mettre comme ça. Ça fait un peu petit pour le truc, mais si j'arrive à tout caser. Parfait. Il y a un généraliste juste ici, donc ça fera l'affaire. Par contre, je vais acheter un chirurgien. Pas mal de trouver un chirurgien à ce moment de la partie, ça fait plaisir. Ah, lui, il a fini sa formation. Juste quand j'en ai plus besoin. Là, je vais peut-être être obligé de redéfinir les priorités parce que je vois qu'il y en a qui sont mal barrés. Mais j'arrive pas à le mettre premier, sérieux. Ah, il faut. Je vais avoir de quoi me payer une deuxième salle de chirurgie. Je crois que c'est nécessaire. Je vais la faire là. Parce que vu le nombre de chirurgiens que j'ai maintenant, j'ai de quoi faire un deuxième une deuxième salle d'opération. Ça s'impose. Alors, on va le faire relativement grand. Remarque, non, peut-être pas. J'ai pas trop le choix de la taille en fait, hein. Ok. Normalement, j'ai assez de chirurgiens, mais enfin, de toute façon, je continue les formations. Alors, radiateur. Et je vais prendre des bancs, une drinking machine. Et un radiateur pour ici. Ensuite, ouais, ça va être dur de trouver les chirurgiens parce que je crois que j'en ai 4. Peut-être que j'en ai 5, remarque, mais c'est quand même très serré. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Honnêtement, la mission avance bien. J'ai déjà accumulé 100 000. Il me manque encore 300 000, mais ça va très très vite maintenant. Donc, ben, à demain pour la suite de ce Let's Play.